Hey YouTube et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo consacrée à DB Legends, bien sûr le jeu mobile, sauf que moi je joue sur BlueStacks sur un émulateur de smartphone qui se met sur PC et qui n'est, je précise, qui n'est non hacké parce que il y a beaucoup de polémiques dessus. Bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Je voulais faire avec vous l'assaut du boss de Rennes. Je voulais vous faire voir sur l'assaut du boss de Rennes qu'on peut le faire avec un perso free to play. Parce que je pense que, je sais pas s'il y a encore des inscrits, mais dans le jeu DB Legends, mais tous les nouveaux joueurs, ils ont pas tous les nouveaux persos, les derniers persos. Du coup, je vais leur montrer comment on le fait avec un perso free to play carrément quoi. Parce que même moi, qui joue depuis le début de DB Legends, j'ai vu que j'ai pas invoqué sur les derniers persos encore, bah je les sais pas. Donc c'est le sujet de ma vidéo en fait. Bon, du coup, premier combat. Avec Zamasu Fusionné bien sûr. Par contre, ce qui est bien avec Zamasu Fusionné, c'est qu'il tank mais du tonnerre en fait. Bon, du coup, ça c'est fait. Un remboursement et on appuie tout d'ab. Et merde. De toute façon il est mort. Voilà, comme quoi c'est nettement possible de le faire avec un perso free to play. Comme vous le voyez, j'ai Zamasu Fusionné, putain je sais plus combien d'étoiles il est. Je vais vous le dire de toute façon combien il est d'étoiles. Je crois qu'il est Je crois qu'il est 9 étoiles, 3 étoiles rouges. Non, 4 étoiles rouges, pardon. Ouais, donc ça passe largement en fait. Bon, après j'ai... Après, j'ai mis... Comment dire ? Après, sur Zamasu Fusionné, j'ai quand même réussi dans les... Comment dire, dans les personnages là, dans équiper, pour équiper pour équiper l'accessoire, j'ai réussi à mettre cet accessoire là, cet accessoire l'immortel le plus important des dieux, j'ai réussi à le monter en Z+. Bon, celui-là, comme vous le voyez, on peut aller jusqu'à 30, moi je l'ai monté jusqu'à 28,75. Celui-là il va jusqu'à 10, donc 9,15 et 9,45. Bon, ça va, c'est possible. Après celui-là, je crois que celui-là il te le donne directement en Z. Enfin, il te le donnait directement en Z plus particulièrement parce que il te le donnait avant. Mais je sais pas s'il te le donne encore celui-là en Z. Ça, je sais plus. Et par contre, j'ai mis celui-là en S. Et du coup, ça passe large en fait. Ça passe large avec Zamasu fusionné, quoi. Par contre, pour monter les étoiles de Zamasu fusionné, il faut le faire, le front multivers en vétéran du coup. Enfin, pour avoir un peu plus de PZ de Zamasu fusionné, il faut le faire en vétéran. Mais après, pour avoir des PZ en général de Zamasu fusionné, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire en amateur, en moyen, etc. Mais bon, moi je le fais en vétéran parce que je gagne de mémoire, je gagne 20 PZ supplémentaires de Zamasu fusionné. Allez, ça c'est fait. Allez hop. Il est quasi mort. Dommage, j'ai pas fait la cape avant. Et il l'a lancé avant. Je pouvais pas faire la cape. Bien sûr, la capacité, je la fais après. Parce que les gens en ligne, c'est le défaut des gens en ligne, ça en fait. Quand par exemple vous jouez avec un personnage qui est comment dire, si vous jouez avec un personnage, par exemple, je prends l'exemple du front multivers, où le front multivers on peut jouer en double perso. Bah en fait, c'est ça l'inconvénient du multi en ligne, c'est que en fait si vous jouez avec un perso un peu avantageux contre le boss, on va dire, et ben les gens en ligne ils vous laissent pas faire par exemple la capacité de votre perso le plus avantageux contre le boss, il vous laisse pas le faire. En fait, tout ce qui s'intéresse à faire les gens en ligne, surtout sur les fronts multivers, c'est le rush. Quand ils dépassent la barre rouge, ils attendent même pas votre acolyte. Non, en fait, c'est chacun pour sa gueule. C'est dès qu'on entame la barre rouge, bah on appuie sur le rush. Et en fait, l'incolyte, bah on s'en bat les couilles en fait. Il n'y a que lui qui compte. Donc moi, je trouve ça un peu dommage que les gens en ligne, je trouve ça dommage qu'en fait, ils jouent que pour leur gueule alors que bah, le front multivers, tu joues à deux. Tu joues avec un acolyte, donc automatiquement, si tu veux faire du solo, bah joue en PvE solo, va pas en front multivers en ligne. Enfin, je suis con parce que le front multivers c'est en ligne, mais bah, fais pas un front multivers si tu veux faire du solo alors que ton acolyte, tu tombes les couilles quoi. Je sais pas comment les gens y jouent, mais franchement, faut arrêter en fait. Voilà, là je l'ai fait. Bon, là, je pense qu'il est mort. Merde! Oh putain, j'ai raté. Ah, c'est la première fois que je rate. Oh merde. Ah, tant pis, de toute façon, il est quasi mort aussi. Ah, la deuxième, il est mort. Bon, allez. Ah ouais, en plus, VGT... Ah, quoi que... Non, il peut pas... Il fait pas trop de dégâts, VGT, sur ce boss, en fait. Par contre, si vous jouez Zamasu Fusionné, le seul hic que j'ai remarqué avec Zamasu Fusionné, c'est que, bon, certes, Zamasu Fusionné, il tombe super bien, c'est pas le souci. Le seul souci avec lui, c'est que si vous le jouez, faudra prendre votre mal en patience. Parce que le truc des boules de cristal, c'est très long à les avoir avec... Enfin, c'est pas très long non plus, mais bon, putain, j'ai perdu une deuxième voix. C'est pas très long non plus, mais bon, c'est un peu longué à avoir une boule de cristal avec Zamasu Fusionné. Mais bon, après, moi, personnellement, ça me gêne pas plus que ça, en fait. Tant que je fais du dégât avec Zamasu. Je dis ça juste pour les personnes qui sont impatientes de faire le rush, en fait. Ce qui n'est pas mon cas. Parce que moi, franchement, que je joue en ligne ou pas... bah, j'attends mon... Si je joue en ligne... que ce soit en front multivers, en raid, en l'assaut du raid boss, etc. Bah, j'attends mon acolyte qui fasse le rush en même temps que moi, en fait. Moi, je suis pas comme tous ces connards, en fait, en ligne, exprès. Et, pardon de l'expression, mais je suis pas comme tous ces connards en ligne que quand, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand la barouche elle est à peine entamée, bah, ils font directement le rush. Non, non, moi je suis pas comme ça, j'attends mon incollé. Surtout quand je suis à deux, quoi. Penser qu'à toi, alors que tu joues à deux, je trouve ça ridicule. Après, je sais pas ce que vous en pensez, vous pourrez me le dire dans les commentaires, mais moi je trouve ça ridicule. Merde, il y a un truc vert au milieu. Il y a une carte verte, oh putain. Il y a trois strikes, mais il y a une verte. Oh papa, Zamasu Fusionné, il fait mal quand même. Il n'y a pas à dire pour un perso free-to-play, la barre elle était à 24 pour donc elle tombe à 14. Rien qu'avec l'aspect de Zamasu, c'est un truc de dingue. Comme quoi, je retourne à mon sujet de vidéo, comme quoi en fait, ce personnage free-to-play, il est énorme. Bon, par contre, cela va dépendre avec qui vous jouez, bien sûr. Parce que Il y a des pinceaux avec qui vous jouez qui sont nuls pour faire des dégâts, quoi. Allez, boum. Bon, du coup, c'était tout pour cette toute petite vidéo. J'espère que ça vous a plu, pardon. Et n'hésitez pas à mettre un petit like si vous voulez, à commenter et à partager, pourquoi pas, c'est gratos. Et également comme le petit bouton s'abonner si vous n'êtes pas abonné. Et si vous êtes abonné, n'oubliez pas la petite cloche de notification à droite pour recevoir toutes les notifs de futures vidéos de la chaîne. Ça aussi, c'est important quand même. Bah du coup, moi je vous dis ciao bye pour de prochaines vidéos du coup.